En 2020, Terre en Vue a eu l'opportunité assez unique d'acquérir 10 hectares libres d'occupation dans le Brabant wallon. Les premiers 7 hectares et demi ont été acquis grâce au soutien de la fondation Keygreen. Et aujourd'hui, nous lançons un appel à l'épargne citoyenne pour racheter les 2 hectares 5 supplémentaires qui permettront d'avoir un bloc à Haut-Ittre géré en bien commun. 4 projets agricoles sont aujourd'hui installés sur ces 10 hectares, ce qui a permis soit de pérenniser leur activité, et en tout cas leur accès à la terre, soit de démarrer leur activité. Donc c'est l'idée qu'il va y avoir des échanges, des partages d'informations, des partages d'outils. Avoir des futures collaborations possibles sur certaines choses. Voilà. Après, ça va se construire dans le temps. Des milieux différents qui se rencontrent et ça donne quelque chose d'autre, d'enthousiasmant. Il y a moyen de créer ici un espèce de petit paradis à plusieurs où on est tous complémentaires. Ce projet-ci me permet enfin d'avoir une surface suffisante à cultiver en potiron à 5 minutes de chez moi. Pour l'instant, avec Cyril, on fait du vin dans le Jura. On est super content de revenir en Belgique pour réaliser notre projet parce qu'on est plus près de nos familles ici. Dans le coin du Brabant wallon, c'est assez compliqué d'acheter quand on est un petit agriculteur. Évidemment, Terre en Vue est un levier énorme pour nous parce qu'on a un accès à la terre contre une location, pas contre un achat. Évidemment, ça change tout. On a une grosse responsabilité par rapport à notre patrimoine. On a créé du désert depuis qu'on a créé l'agriculture. Ici, on est face à un terrain qui a beaucoup souffert, qui a besoin de soins. La première étape que nous mettons en place, c'est redonner de la vie au sol. Notre énergie se poursuivra au-delà de nous. Quand on plante un arbre, comme disait Platon, c'est déjà un pied dans l'éternité. Nous invitons maintenant tout le monde à rejoindre le mouvement Terre en Vue en prenant des parts pour acquérir concrètement ces 2 hectares 5. Et faire ainsi de ces terres agricoles un bien commun et soutenir concrètement l'installation de 4 projets agricoles.